dans ses considérations très importantes sur le tiers-état, publiées en 1788, le pasteur Jean-Paul Rabaut, dit Rabaut Saint-Étienne, porte un jugement plutôt négatif sur l'histoire en tant qu'outil de justification politique ou juridique. On s'appuie sur l'histoire, mais l'histoire n'est pas notre code, écrit-il. Nous devons nous défier de la manie de prouver ce qui doit se faire par ce qui s'est fait, car c'est précisément de ce qui s'est fait que nous nous plaignons. 4 ans plus tard, alors qu'il publie son précis de l'histoire de la Révolution, il débute son propos ainsi, je cite, « Je me propose de resserrer dans un court espace l'histoire de la Révolution française afin que, mise à la portée de tous les lecteurs et facilement répandue dans tous les pays, elle détruise les impressions qu'ont cherché à répandre contre la France les ennemis de la liberté. » Pris dans le cours des événements révolutionnaires, l'auteur de ces deux textes se contredit-il. Seulement, si l'on considère que l'histoire de la Révolution doit se percevoir à l'identique de l'histoire de l'Ancien Régime, référence du premier extrait cité. Dans un cas comme dans l'autre, au moment où il rédige ces lignes, Rabaut Saint-Étienne n'est plus pasteur à Nîmes. Il réside à Paris depuis 1786 pour travailler à la légalisation du protestantisme et il y reste après son élection en mars 1788 comme député aux États généraux. Il siège ainsi dans différentes assemblées révolutionnaires de 1789 à sa mort en décembre 1793. L'almanach historique de la Révolution française, publié en 1792, et son dernier ouvrage. Le propos est donc d'analyser l'écriture de cette publication au regard des deux phrases précédemment citées pour tenter de comprendre les buts de son écriture historique, la conception de l'histoire et le régime d'historicité de ce pasteur devenu membre de la Constituante. Alors, la description matérielle du précis de l'histoire de la Révolution française ainsi que la page du titre permet d'en comprendre rapidement les usages. Publié donc pour être facilement pris en main et lu. La composition de l'édition originale offre plusieurs rubriques, calendrier, décrets révolutionnaires, différents documents comme la Constitution française, et ce n'est qu'à la fin de l'ouvrage que l'on trouve le précis de l'histoire de la Révolution française en tant que telle. Narration historique de l'année 1789 à septembre 1791, 257 pages, donc composées de 5 livres, dont vous avez ici le sommaire. Alors, le récit se déroule chronologiquement et se termine avec l'acceptation par le roi de la Constitution le 3 septembre. Alors, la première édition Almanach historique, dont vous avez ici le frontispice, correspond à un choix éditorial qui répond à la mode des almanachs, qui est un genre littéraire très populaire, en particulier pendant la Révolution française. Les almanachs politiques sont généralement pour ou contre la Révolution. Ici, vous l'avez compris, nous sommes dans la première catégorie avec un almanach de Rabaut qui se présente comme un manuel à l'usage des patriotes, soucieux d'avoir une vision des événements des années 89-91. L'extrait cité en introduction appuie cette logique argumentative, la volonté d'ancrer dans un engagement politique et dans une écriture de propagande. Le cours de l'histoire du temps présent est ainsi posé dès le choix du titre et la forme de l'ouvrage. Cet almanach est livré d'ailleurs au lecteur avec 6 gravures et chacune d'elles participe à ce projet éditorial. Alors, la première, dont vous avez ici une représentation, déploie un frontispice avec un tableau allégorique et une maxime philosophique. Il vient, après 1000 ans, changer nos lois grossières, phrase extraite d'une tragédie de Voltaire. Dès le frontispice, donc, la nomophilie commune aux lettrés du temps transparaît. La loi qui est présentée n'apparaît cependant pas comme étant une loi immobile, une loi immuable. Elle se pense en mouvement. Alors, après cette gravure à sentence philosophique, nous avons 5 autres gravures qui présentent une tonalité plus événementielle, comme vous pouvez le voir dans les titres, et elles s'égrènent au fil de la narration. La première s'affirme symbolique avec la prise de la Bastille, puis nous avons aussi des gravures réconciliatrices, le serment du jeu de pommes, la fête de la Fédération, et les 2 dernières révèlent la centralité de la personne du roi. Donc ce corpus iconographique
et celui d'une révolution qui s'expose, qui est fraternelle, qui est monarchique, qui est régénératrice. Alors, la seconde édition de l'ouvrage a lieu très rapidement, dès le mois d'avril 1792. Il y a cependant quelques changements, et le premier n'est pas des moindres, puisqu'il y a un changement de titre. L'almanach est remplacé par le précis de l'histoire de la Révolution française, précis historique de la Révolution. Et cela n'a rien d'étonnant, puisque l'ouvrage a connu un réel succès et le récit historique suffit à être le produit d'appel. Et dans cette réédition rapide, il faut bien sûr voir un succès évident de l'ouvrage de Rabaut qui a connu des contrefaçons, qui a connu aussi une édition en grand papier, qui montre finalement que le public touché est large d'un point de vue socio-économique, mais aussi numérique. Alors, cette histoire de la Révolution est en effet un véritable best-seller, et dans l'introduction précédente, Rabaut souhaitait que son texte soit répandu au-delà des frontières du Royaume de France, et il y a réussi d'ailleurs, puisqu'on a une édition anglaise en 1792, et on a aussi une édition italienne en 1796. Alors, un dernier changement notable dans la seconde édition est l'insertion d'une brochure intitulée « Réflexions politiques sur les circonstances présentes ». Et ce sont en fait 63 courtes réflexions qui seraient venues, le dit-il, au moment de la rédaction du précis, et Rabaut-Saint-Étienne les livre sous le format du premier jet. Donc, ces éléments de forme, de structure et de stratégie éditoriale posées, voyons dans une deuxième partie la méthode historique qui est déployée par l'auteur. Alors, concernant sa méthode historique, plusieurs éléments doivent être considérés. Ce n'est tout d'abord pas la première fois que Rabaut-Saint-Étienne a l'idée de s'intéresser au passé. Il a ainsi publié anonymement, en 1779, Le vieux Sévenole, qui est un roman historique qui retrace la vie d'un protestant imaginaire du XVIIIe siècle français. Cette biographie est alors le prétexte pour lui à brosser l'histoire des protestants de la révocation de l'édit de Nantes en 1685 aux années 1630, et surtout c'est l'occasion pour Rabaut-Saint-Étienne de demander une révision législative de l'édit de révocation. Deux autres projets éditoriaux historiques de Rabaut n'ont pas abouti, mais montrent son intérêt pour l'histoire. Le premier, en 1776, est celui d'écrire une histoire des réfugiés protestants. Et le second, c'est l'ébauche d'une histoire générale du protestantisme. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que la Révolution n'est pas le premier sujet qui fait naître chez Rabaut-Saint-Étienne son désir à écrire sur l'histoire. Mais c'est certainement avec le précis historique de la Révolution que Rabaut-Saint-Étienne devient véritablement un historien. Alors, ces différents projets permettent d'éclairer la manière dont il pense l'écriture de l'histoire. C'est une méthode qu'il conserve d'un certain côté et en même temps qu'il amende dans son précis. Alors, un premier élément le place dans une continuité de la méthode historique de Rabaut-Saint-Étienne. Il s'agit de l'impératif de vérité. En effet, il n'est pas question pour lui de livrer des faits qu'il ne peut pas vérifier. Et dans son vieux Sévenole, par exemple, Rabaut-Saint-Étienne va insérer tout au long du discours, tout au long du roman historique, des notes de bas de page. Des notes de bas de page qui renvoient au décret, qui renvoient à des citations d'histoire du protestantisme. Et évidemment, dans le précis historique, il n'y a pas de note de bas de page, mais il n'empêche que Rabaut-Saint-Étienne explique, quand il le peut, son attention à la nécessaire réalité des faits qu'il propose. Par exemple, il se refuse à faire le récit des massacres de Saint-Domingue en août 1791, car, écrit-il, ces événements sont si récents qu'il nous est impossible d'en donner un récit fidèle, mais l'histoire fera connaître un jour les traîtres qui ont ourdi ces perfides trames. Il y a chez lui une volonté de fidélité du récit par rapport aux faits, et d'ailleurs la narration demeure très souvent factuelle. Cela se vérifie aussi au troisième et quatrième livres, dans lesquels Rabaut-Saint-Étienne raconte les journées à l'Assemblée à l'été 1789, comme il aurait pu le faire en écrivant un journal intime. Sa présence dans les murs sert donc de fondement à son discours historique, lui donnant plus la place finalement d'un témoin que celle d'un historien. Cependant, son souci de véracité
ne signifie pas neutralité et exactitude. Il écrit évidemment avec les connaissances et avec les interprétations qui sont celles du temps et d'un défenseur de la Révolution. Inversement, il y a un amendement vers une rupture dans sa méthode d'écriture historique avec le précis de la Révolution, puisque Rabaut se livre en même temps à l'écriture d'une histoire immédiate. Il décide, dit-il, de tracer un tableau rapide de la Révolution, comme on décrit un combat le lendemain du jour où il a été donné. Il n'y a donc ici aucun recul, une écriture à chaud de l'histoire en train de se faire. Alors pourquoi cède-t-il à cette écriture historique immédiate ? On peut avancer une première raison, celle du moment. Quand il rédige son histoire de la Révolution française, Rabaut dispose de temps. Il réside à Paris, il a été membre de la Constituante et il ne peut plus faire partie de la législative. Il a donc le loisir de se livrer à ce travail d'écriture historique. Cependant, cela ne suffit pas. Il a certes le temps d'écrire et un mobile pour résider à Paris, mais finalement cet ouvrage en fait est une manière pour lui de témoigner, de donner sa vision de l'événement. Mais il le fait avec un regard particulier, celui d'un témoin participatif qu'il a été et qu'il souhaite finalement toujours être. Il a été acteur des débuts de la Révolution, témoin direct, je l'ai dit, et alors qu'il n'appartient plus à aucune assemblée révolutionnaire, il ne peut finalement rester simple spectateur. Participer aux changements, les initier, les expliquer, fait ainsi partie pour lui toujours de ses missions. Écrire ce précis devient une continuation de son action, non plus en tant qu'homme politique, mais en tant que citoyen. Cette écriture de l'histoire de la Révolution s'inscrit donc comme un engagement politique, un engagement citoyen tout aussi fort que sa participation aux assemblées, car cet ouvrage lui permet finalement de remplir une mission éducative. Il montre ce qu'a été la Révolution par des faits qu'il estime vrais et il expose ce qu'il faut en retenir. Reste alors à se demander, dans un troisième et dernier temps, quelle est sa conception de l'histoire et plus particulièrement de l'histoire de la Révolution. Pour cela, revenons à la première citation et plus particulièrement à ce passage « L'histoire n'est pas notre code ». Faire l'histoire de la Révolution, suivant les objectifs de Rabaut-Saint-Étienne, peut paraître contradictoire, car il adosse son propos sur la véracité des événements. Mais il valorise en même temps l'action des révolutionnaires. Il a tout à la fois finalement le désir de vrai et un parti pris. Cela se retrouve de manière éclatante dans le livre 1 qui explique les causes de la Révolution et dans le livre 5 qui en présente les apports à l'exemple de cette phrase « La puissance de la Révolution française résistera par elle-même à tout car elle est l'ouvrage des siècles, de la nature, de la raison et de la force ». C'est ainsi une écriture bilan de l'histoire immédiate et de l'engagement politique. Il s'agit également d'une écriture bilan, car ce précis indique, je le cite encore, « la Constitution est faite et le moment est venu où l'on peut écrire l'histoire de la Révolution ». Le livre 5 représente à ce titre un inventaire des apports de la Révolution française, une justification aussi des actions menées par l'ensemble des acteurs. C'est une autre idée forte du précis, qui réside dans le fait essentiel que la Révolution est terminée. Je le cite encore, l'histoire de ces trois années mémorables nous présente une scène dramatique qui a eu son commencement, son milieu et sa fin. Le roi, en acceptant la Constitution, a fait le dénouement de cette scène éclatante. Mais, à mieux le lire, est-ce que l'histoire de la Révolution française est vraiment un code, comme pouvait l'être l'histoire d'Ancien Régime ? Et la Révolution est-elle effectivement terminée ? Rien n'est moins sûr en mettant en perspective le précis et les réflexions politiques sur les circonstances présentes qui, rappelez-vous, accompagnent et complètent la seconde édition. L'histoire de la Révolution, telle que présentée par Rabaut-Saint-Étienne, peut être vue comme un code politique, un code philosophique, un code social. Ainsi, dans le cours de ce récit historique, nous avons d'une part un profond attachement à la monarchie. Avec la Révolution, sous la plume de Rabaut-Saint-Étienne, le régime politique ne peut être autre que celui donné par la Constituante, car la République ne peut convenir à la France. D'autre part, se retrouve également l'importance de l'héritage des Lumières dans cette histoire révolutionnaire. Enfin, égalité et liberté sont des socles de la société révolutionnaire
Et il est possible d'y voir ici un prolongement d'un combat ancien de l'auteur, qui était celui de la défense de la cause réformée autour de l'égalité civile et de la liberté d'un culte minoritaire. Mais la Révolution n'est pas un code à concevoir au même titre que l'histoire de l'Ancien Régime. Tout d'abord, quand son histoire ne fiche pas dans le passé. Elle est tout le contraire. Elle est rupture radicale. Cette histoire de la Révolution devient l'incarnation même du changement. Cela a été souligné et il y a de fait une tension dans l'écriture de Rabaud entre son souci de modération constant et une valorisation permanente de la radicalité révolutionnaire qui s'incarne dans l'idée même du changement. Le lexique, en ce sens, est omniprésent, en particulier dans le dernier livre, celui des apports de la Révolution, où « tout est changé », répète-t-il plusieurs fois, posant ainsi la Révolution française comme un objet unique en soi, sans équivalent. C'est d'ailleurs la dernière citation de cette diapositive. L'histoire ne présente aucun exemple d'une révolution intérieure pareille à celle de la France, que la France venait d'éprouver. Elle n'avait qu'un seul principe, celle de réformer les abus, mais comme tout était abus dans cet empire, il en résulta que tout fut changé. Cette unicité de la Révolution française implique pour l'histoire qui en est faite un rapport différent entre les temps. L'articulation à faire entre le passé, le présent et le futur, ainsi que la dimension pédagogique du récit historique sont évidents. En effet, l'histoire de la Révolution est finie, affirme-t-il dans le précis. Mais dans les réflexions politiques qui lui sont associées, Rabaud ouvre bien d'autres perspectives en expliquant que la Révolution reste à faire. La réflexion 12, la France n'a pas fait sa Révolution, mais elle l'a commencée. La Constituante est ainsi le début de la Révolution, qui logiquement, elle, n'est pas terminée. Citation 34, la Révolution sera peut-être finie par un homme, mais elle devait être commencée par tous. L'historien homme politique qu'est Rabaud-Saint-Étienne éprouve donc le sentiment que cette histoire de la Révolution, histoire du temps présent changeant, plus qu'histoire du passé, est le début de quelque chose de nouveau. Cependant, la nouveauté trouve une causalité dans le passé et s'inscrit dans une linéarité historique, certes faite de ruptures, mais aussi de continuité attendue. Rabaud-Saint-Étienne l'exprime d'ailleurs dans son ultime réflexion, la 63e, l'histoire de la Révolution de France est un recueil de prophéties. Alors ce mot même de prophétie, sous la plume d'un ancien pasteur, reste le signe qu'il balance entre une expérience chrétienne du temps, qui est tournée finalement autour de l'attente d'un futur, et la conscience d'un nouvel ordre du temps où le passé n'est plus le fondement ou l'éclairage pour un avenir. D'où sans doute les hésitations de son écriture et de sa pensée entre une révolution terminée ou à finir, entre une modération à préserver ou une radicalité à utiliser, flottement qui demeure autant d'indices d'une histoire de la Révolution française qui reste complexe à appréhender. En conclusion, on peut dire que Rabaud-Saint-Étienne considère qu'il est de sa responsabilité d'apporter une vision de ce qui s'est passé durant les années 1789-91 pour éclairer le peuple, pour comprendre l'exemplarité du moment, pour guider la nation dans un avenir, car le futur n'est plus simplement une répétition du passé. Tel est le sens du précis historique de la Révolution. Il y a ici sans doute le sentiment chez Rabaud-Saint-Étienne qu'il est à la charnière d'un temps. Si le régime d'historicité de cet historien est moderne, il l'était sans doute avant l'écriture de son précis, sensibilisé qu'il a été à la nécessité de ne plus faire du passé la ligne de conduite du présent ou du futur. Mais la période de la Révolution française dans laquelle il se trouve, période de crise, de rupture, ce passé immédiat, qui est encore le présent en train de se faire lorsqu'il écrit dessus, devient dès lors une formidable source de compréhension pour un futur en gestation qui reste encore parfois à inventer et certainement pour lui à écrire. Je vous remercie.